Les moules sont légèrement diamants, quoi. Excuse-moi. J'ai été bronze 5, s'il te plaît. Okay. Oui, je m'excuse. C'est vrai que le bronze 5, c'est... C'est mon coca, toi. Ouais, merci. Bon, bah, je vais lancer, mais... C'est le record, d'accord. Bon, bah, comme d'hab, ça bug jusqu'au premier ban. Premier ban, Rise. Ouais. Bon, ça c'est compréhensible. Hein. Rise, la machine de guerre. Alors, est-ce que ça va être des bans de solo queue? Vu que de toute façon, c'est des gros niveaux, ça vous prend les mêmes pics en général. C'est niveau 2. C'est ce qu'on va voir. De toute façon, Rise, je pense qu'ils ont plus peur d'un Rise top. Un Rise mid? Non, mais Rise mid, c'est un peu. C'est pas trop. Bah, ça vaut plus que ça va l'air. Ouais. On a eu un petit up de portée. Enfin, l'annulation du dernier nerf. E blanc, Kha'Zix. Ouais, c'est vraiment ça reste assez classique. Le blanc. Petite ban sur Aka. Rise, Kha'Zix, le blanc, Evelyn. Ouais, Evelyn, monstre de jungle. Si tu la gères. Tu m'aimes les gants que. Ouais, enfin, c'est violent. Ouais, si tu la gères et que tu réussis à avoir quelques kills de but, c'est facile quoi. Lee Sin. Ah ouais, l'eau, Lee Sin, voilà quoi. Un gros Oli. Le mec qui gère bien de toute façon, il fait ce qu'il veut avec Lee Sin. Lee Sin est en route. Lee Sin, t'as pu faire une game. Hein. Oui. Bah, Le dernier ban, ça sera. Le ban sera quoi? Faites un gros ban, on va voir. Z. Normal. Ah oui, normal, oui, parce que son Z. Il ouais, y a un gros joueur de Z dans la team. Alors ça pique le trade directement. C'est ce qu'il nous attaque. Timo, est-ce qu'il va y avoir un Timo? Non. Est-ce qu'il va y avoir? Non. Une copie Yordle, gars. Alors là. Yordle. Alors là, je descends leur faire un bisou. Non, non, c'est Timo. En tout cas, la copie, ça rend pas de mauvaise idée. J'en ai vu quelques-unes vraiment au niveau. Oh, alors là. Oh. Alors là. Pas beaucoup joué, mais c'est non. Ouais. Oh là, voilà, la Nidalee normale, la Morgana. Ça, ça pique la Morgana. Le Graves de Tiger. Dead man walk. Le Graves de Tiger, à ce qu'on a vu. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, il est violent, il a, ouais. Il a un petit KDA de 15-4, non? Je sais pas. C'est dangereux. Hein. Bon, pour l'instant, on s'est sécurisé. De toute façon, à mon avis, ça va trahir des deux côtés. Ouais. Deux grosses teams, il y a du game des deux côtés. Bon, il y a l'effort, de toute façon, il joue pour l'honneur un peu un nocturne, un gros, gros nocturne. On choisit que Clean en Paris. Alors, je n'ai pas vu beaucoup des bien joués de nocturne, mais quand c'est bien joué, c'est vrai, parce que c'est pas grave. Le seul problème, en la limite, je dirais, c'est le plus donne de nocturne. Donc, Colky est parti sur un nocturne. Chiro aura son flèche, Jäger aura son grève. Je me souviens plus des percées de Terror, sur ce que c'était la 2. Sur ce que c'était la 2 aussi, un peu exactement. Je ne sais plus. Il n'y a pas eu ce qu'on va voir. Ouais, c'est pas même grave. Non, ça va partir sur de la quête, je pense. Grave, ça peut être tanky, de toute façon, une quête, mais tu vas sur la 2. De toute façon, c'est le pick up. On va continuer de se battre. C'est le truc, de toute façon. C'est normal aussi. Moi ce que j'aimerais bien voir c'est un Zin avec ça s'appelle pas la lame d'Avaris, l'épée du Zin. Sur la frappe des trois serres, les trois cris. C'est-à-dire que j'ai joué ça avec un Zin qui avait réagi, j'avais déjà fait ça. Je veux dire que c'est bon. Un moyen, yo. Un bot. Un yopo aussi là. Un bot top. Alors si on partait sur un Anemig, tu vas revenir sur Akata. Ça va partir sur Akata et de grâce qui est en face. Il y a deux CC pour les deux points. Il y a la frappe de Fosser et le Ben. Ouais, en mode fin ça va être sur le Ben. Donc pour un menu, je pense pas que ce soit une bonne idée. Ah, c'est grave, ça peut être sympa. Alors ça par contre, ça va être bien pour catch Anida. Ouais. Anida, même si le poke à distance, de toute façon, c'est prend un stun.
elle se prendra tout le monde derrière toi. Bien. Et ça un prend. Panthéon, surprise la Cinéra. Alors est-ce que ça va être un panthéon jungle ou est-ce que ça va être une option? Ça va être un top, c'est tout aussi bon. Je crois pas que ce soit aussi dégueulasse que ça. Franchement, ça a du bon système. Ça a du dégât, du shield. A mon avis, quand on sera top, il y a juste le skin qui veut panthéon. On va voir ça de toute façon. Il peut top avec Thresh. C'est bon, je déconne. Ouais, très chadé, ça a été net. Trash top, ça va. Oui, ça reste un pic solide, on va dire. Ah, on doit pas marquer de marque. On doit pas voir de marque. Le dernier ban, on devrait être en train de discuter justement. Parce que du côté bleu, quand même, il y a vraiment des gros pics. Ah oui, alors là. Non. Alors là. Attends, il peut encore changer. Il peut encore changer. Ça va être du Moringa. Ouais. Un petit Rengar, ça va pas être de mal. Bon, Rengar, j'aurais pas trop vu l'utilité de la team en face. Donc c'est quand même une team pas mal tanky. Mon Panthéon contre Renek, c'est bien parce que ça poke. Mais tu balances 3 vélites, t'as plus de mana quasiment. Donc Je suis pressé de voir ce que ça donne. Que ça soit en face de lui. Je suis vraiment pressé d'arriver dans la game parce que ça a vraiment été une grosse game. Dans toutes les circonstances, je suis vraiment pressé de voir ce que ça va donner sur cette game. Qu'on rappelle quand même, c'est deux grosses équipes. Mm. Oui, là c'est clairement la partie phare. C'est la game qu'il faut absolument pas rater. Ouais. Ah, on va devoir attendre 3 minutes. Tu vas pouvoir manger, te restaurer, bon, te mettre des choses là où tu veux. Mais oh, quoi? Tu vas rater? Ça peut paraître. Alors là, c'est là que la pression commence pour eux. Ils arrivent dans le chargement. Alors au niveau des match-up, Syndra contre Nidalee. Je pense que ça peut le faire. Comme toutes les teams où il y a une Nidalee dedans, de toute façon, avant le niveau 6, on va dire que t'as gagné ta lane si t'es pas mort. Et faut arriver à bien poke sans se faire engage. Et ça, c'est vraiment la grosse difficulté. Surtout Nidalee qui est très 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 forte en ce moment. Ouais. Elle est beaucoup jouée. Mais le seul problème, c'est que généralement, quand il y a des Nidalee dans une team, ils poke, genre ils envoient deux spears et après il y en a toujours un qui se fait catch. Et c'est ça le gros problème. Il faut vraiment avoir le temps de balancer plein de spears. Parce que le but, c'est pas de toucher, le but, c'est de. Enfin, si quand même, mais. On va dire si tu rates, tu vas pas dire putain vas-y fais chier, c'est ouais bon, la prochaine elle passe. C'est le perso, si tu rates tu t'en fous quoi. Donc au top ça sera Panthéon Renekton. Panthéon, s'il y en a un qui se fait catch, il va se faire sévèrement punir quoi. Ouais. L'ulti de Syndra et l'ulti de Graves. Sachant que l'ulti de Graves il a été up au dernier patch. C'est vrai? Ouais. Il a gagné 60 de dégâts au niveau 1. Et il en a gagné 40 au niveau 2. Après, au niveau 3, ça n'a pas changé. Donc, clairement, pour le late game, c'est pas. Ah, ça change pas beaucoup. Mais niveau 6, l'ulti qui fait du 240 de base, si je ne me trompe pas. Niveau 6, c'est pas dégueulasse. Quoi. Pas négligeable. Zoom contre Nocturne, ça va, ça se fait. Crève. Après, je vois pas trop comment la Morgane va pouvoir placer un ulti dans les fights. Je vois clairement pas comment elle va pouvoir aller au milieu de la mêlée sans se faire complètement défoncer. Entre le Thresh, entre le Panthéon, le Nocturne qui peut la fuir, le Grève qui va juste se barrer, qui va dash. Ouais, voilà, ce sera un flash ulti pour ralentir un petit temps et puis après ça va faire bon. Morgana, t'es bien gentil, mais je passe à la suite. La Caitlyn, à mon avis, elle va essayer de rester safe le plus longtemps possible. Faudra bien qu'elle fasse gaffe à ses placements parce que là, une erreur, c'est. De toute façon, ils font une erreur, ils perdent la team fight là, à ce niveau-là. Vu les deux teams qu'il y a, bon, peut-être moins au niveau de la team violette. Bon, après la Nidalee, elle est partie sur un bouclier. Norme plutôt basique avec elle. Ouais. Bon, même si un ignite, un flash. Le heal est plus rentable en late game. Ils ont 3 ignites en face. Ouais, ils ont 3 ignites, un heal. Mais le heal qui est plus rentable que le bouclier. Oui, bah oui, de oui. 30 points, de 30 points ou quelque chose dans le genre. Vraiment pas grand chose, mais on va dire. C'est toujours ça quoi. Puis en plus, le move speed.
Ouais, la move speed, 30%. Le move speed, le... L'anti-anti-heal. L'anti-anti-heal. Oui, attends, c'est bizarre à dire. Anti-anti-heal. Ouais, c'est le heal anti-anti-heal. Le heal anti-anti-heal. Ok. Bon. Alors. Allez. Bon. Oh, trop de pression. C'est parti. Voilà, elle a la... Là, ça s'illumine. Là, directement, c'est voilà. Pas la même, quoi. Direct, on voit qui c'est quel papa, quoi. Ah, il y a des golds qui sont perdus, là. On dirait deux silver, les plates. C'est les silver qui se perdent dans une partie, on dirait deux silver qui sont perdus. Il est tellement imposant qu'un challenger à côté que... Mmh. C'est dans ces cas-là que tu te sens faible. Mais carrément. Tu vois ça. Bah, en fait, moi, dans mon cas, je suis la petite Nida qui est bloquée entre deux, quoi. Ça me fait mal. Cette challenger, ça a même pas de skin, quoi. Non, mais c'est bon, le challenger, maintenant, il y a 200 places, c'est facile. C'est bon. Bien sûr. Allez, c'est parti. Donc on va mettre en place tout là, ça. Là, le début de game, ça va pas être comme la game d'avant, à mon avis. Ça va partir à base de grosses agressions. Et j'ai des frissons, là. Ça doit être l'excitation. Arrête ça. Or, mets-toi sur le camtar. Merci. Non, inquiète. Alors, en bas, le Xin en haut. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Oh là là, le grab, et le grab. Déjà, d'accord. Ça part sur un bon first blood. Ça pardonne pas du tout. Ouais, t'as même pas le temps de voir. Non, le grab là, il est passé, hop, c'était fini. Active le chat, voir. Active le chat pour qu'on voit un petit peu. 30 secondes avant l'apparition de Sbire. Il est activé. Ah d'accord. Bon. Non, attention, en plus, ils repartent encore. Bon, je pense que maintenant... Après s'être pris un first blood comme ça, je pense qu'ils vont rester un petit peu en arrière. Ils vont rester prudents. Alors, qui c'est qui a pris le first blood? Bon, c'est le Thresh, c'est dommage. Mais bon, il y a eu 3 assistants. C'est le Thresh, c'est dommage. Bon, on l'a compris. Voilà. Non, mais la Nida a clairement pas compris son contrat. Il est peut-être poli, tu vois. Pour dire, ouais, ça vous fait pas trop mal le petit jeu. Oh là là. Allez hop. Tu abandonnes ton rouge, s'il te plaît. Et t'es trop mal pour faire ton bleu. Il leur laisse vraiment aucune chance, quoi. Ils y vont vraiment à fond, là ça promet vraiment une bonne game. Je sens que ça va stun comme à la première. Non, je pense pas que ça va être du stun, ça m'étonnerait. Enfin, ils ont tous des bons niveaux, donc je pense que ça va quand même être une game assez difficile. Donc pour un peu dire, on ne doit pas trop le voir. Sachant qu'en plus, on ne peut pas se faire à le faire. De toute façon, ils risquent de se retrouver, parce que les perdants vont se retrouver à la phase de récupération. Le trap de flèche. Ils vont se retrouver contre l'Infinite. Ouais, contre l'Infinite encore. Donc le gagnant avec un peu de sera pour l'infinite. Enfin, aura encore sera éligible pour la semi-finale. Ouais, donc il risque de les trouver encore une fois en semi-finale. Oh, attention, qui met une pression énorme sur le Renéfi. Ah, tu vois ce qui se passe. C'est un peu une carasse. Okay, le grab, le hook, les plaquages, rien du tout. Donc il y a la ward qui a été posée, une petite cull, donc évidemment. Il y a deux shots pour avoir les 3 PO. Rien n'est con, il perd son match-up en early, hein. C'est normal. Quand il fait bien, c'est normal. Le but c'est pas de prise, ni même. De toute façon, c'est pas de fatigue.
ils enfoncent leur lane. Il y a le Krix qui va venir. Voilà, l'embrasement, allez. C'est fini. Il a bien allé chercher, il s'est pas trop exposé, il est resté à la limite de la tour, il a pris un petit coup qui a été bloqué, et ensuite, il est fait. Ça rend bien joué. Bon, oui, c'est Syndra qui commence à être un peu en manque de mana. Il a laissé le grab qui passe. Sur la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, on a vu qu'il a été super cool. Hein. Ouais. Vraiment des trucs sans vision. Hein. C'est vraiment un bon truc. Ouais. Il a joué à DC avant dans son team. Il y a Sina qui a une petite colline. Hop, le slow qui va passer, remet sur le mid. Ouais, il va faire la ping en bas. Cette ligne, le qui est monté, mais qui est voilà, rien. Encore un ouf. C'est parti. Oh là là. Bisous. Il a pas le choix, il est déjà pas tellement bien, donc si en plus il push, ça push tellement. En général, quand tu vois que le petit tu peux pas faire ouais, venir. Le ouf, je passe encore. Mais comme je disais, si tu vois que le mec il a freeze, tu vas pas t'emmerder à freeze derrière. Tu vas pas t'emmerder à freeze. La TP. Ah, back, ok. Ah oui, ils ont pas coupé. Attends, c'est pas bon. Non, ça passe pas. Pour l'instant, de toute façon, en face de l'ennemi, là, il se passe plus grand chose. Ça va se décider à prendre le objectif et ça va se débloquer de toute façon. Donc là, tu es tout le monde bloqué. Tout le monde prend les attaques. Il est le la mec qui va aller agresser un peu le 31. Le game, c'est quand même pas mal. Alors, il y a le hook qui est passé sur Caitlyn. C'est un petit énervant. Un petit bac de grève. Il a été vu. On va aller il a été vu à la limite. Il a fait poser une cage jusqu'au fait. Mais le Tune qui counter jungle. Histoire de mettre le signe encore plus mal. Il y a Panthéon qui est en train d'agresser le Renekton. On a fait le jungle et la cible de dash. Il est parti sur la bottle, vraiment pour le fun, vraiment de la team game. Il est très bien, il est plus blanc au top, alors Renekton il est vraiment en tournoi avec le jeu. Il a son deuxième bot, il a Keston. Il a passé, son ulti. Il va faire perdre un peu plus de temps. Hop, la vie dans la carotide. Le scan qui passe pas. Ça back au top, la Caitlyn va aller s'acheter un peu de stuff, elle a 1376 PO. Donc elle va partir sur Grif. Pas assez pour sa BF. Tandis que Grif est parti directement sur sa BF. Avec la 6 tout à l'heure, il a plus de vite avant. Grif, une assise plus 5. Au mid, ça peut où il est passé, il n'avait pas la vision. Il revient qu'il a eu son set. Le drapé était là, je pense. Le cage, la black cage, la cage qui lui a sauvé. C'est l'air. Et après, il y a encore le flash et lui du côté de la Caitlyn. Donc là, est-ce que s'il aurait vu qu'il prenait un peu trop la sauce, il aurait flash ou. Hop, et je pose la ward. Étant donné qu'il a déjà sa BF. Non, tu veux tenter quelque chose? Ouais,
de Stone qui passe. Ça vaut pas le coup de calculer ici maintenant. Là on peut pas tomber. Oh c'est dommage, il s'est dit qu'elle allait avancer. Et c'est que si elle reste là, elle va se faire choper. Et le Panthéon continue, à mettre la sauce au Renekton. Le Panthéon qui est vraiment bouillant là. Les grèves qui passent. Le recours à lui annuler les nerfs de Panthéon. Apparemment, il a cité le luthier qui voulait dire, si je ne me trompe pas. Ouais, bah oui. Il voulait changer la durée de l'incantation et puis la durée de retomber. Mais il y a quelques nerfs qui sont donnés comme ça, qui sont un peu abusifs. Entre guillemets, le luthier multiglycine qui devait être nerf, du genre bien salé. Donc, des deux côtés, c'est un bleu. Cinderan, elles ne seront pas disponibles. Oh, une petite exacté. Ah non, l'ignite suffira pas, il est bien gage au bon. L'ignite suffit. Oh, bien. Interruption. Ah putain. Non, c'est le power. Ça ne pas qu'elle passe, c'est la dignité, parce qu'il n'a pas mis énormément de dégâts. Oh, j'aurais pas aimé me la prendre celle-là. D'accord. Ah bah vraiment bravo, mais là ils ont pas voilà. J'ai même pas les mots. On est à combien? On est à 10 minutes 4. Je vais mettre 9,56. J'ai même pas le temps de dire une petite option qui était peut-être pour lui. Donc, On va voir l'action. Voilà, c'est là. C'est là quand il lance le hook. Tac, le hook sur un portionnat. Et là. Il y avait l'ulti de grève, mais il n'a pas touché. L'ulti de grève, c'est vraiment balancé sur un mangana sans lui, et puis après, longtemps, tu sens le flash qui a été craqué par le parti. J'ai vu qu'elle avait touché. Parce qu'on a une situation comme ça, j'aurais claqué ni le heal ni le flash. Elle joue vraiment bien quand même. Ouais, c'est du beau niveau, hein. C'était prévu. Tout le patch, chaque action qui touche, c'est hyper propre. Encore ça va, on peut pas le prendre, mais voilà, l'ulti est parti avec l'ambra, allez, c'est bon, c'est fini, fallait pas le prendre celui-là. Allez, on prend le break. Il pose encore un peu les cartes et 5 kagold déjà à 10 minutes. 5 kagold à 10 minutes. Ouais, là ça part vraiment bien pour eux. Un objectif. Après à ce niveau-là, c'est ça peut se faire. Ouais. Ça peut. Il peut protéger. C'est ça parce qu'il y a un bien en 5. Ouais, entre autres. De l'équipe violette a été détruite. Je sais plus c'est qui est bien. Je sais plus. C'est pas dans les BDC par contre. Ils sont deuxième 1 ou 2. Non, il y en a un quatrième 3. 3. C'est toute la différence. Excuse-moi. Il n'est que diamant 3. Voilà, Edward. Elle veut pas freeze, elle veut carrément enfoncer. Le greffe d'abac. Le greffe d'abac, donc le but c'est de pusher le maximum. Ah ouais, de plus de carrément le creep sous la tour ennemie. Mais là il sera revenu à temps. Le stun qui passe. Encore un V8. Juste du poke, ouais. Du poke, et puis à la fin. Il commence à. Lui il a de la vie, il a un petit peu. Sur la Nida qui monte. Seul ou la pink ward. Ouh! Il a mis le shield, il s'est dit bon, il y a un carré, ça va arriver juste après. Attention, là c'est le spot qui est parti et ça ward énormément. Comme on a dit tout à l'heure, c'est sûrement le niveau de jeu qui fait, mais alors là. C'est le niveau de jeu, hein, c'est. Là, c'est tout ça, mais c'est un autre. Il déploie tout ça. Mais il a dit qu'il traîne au top, mais on a l'impression qu'il ne sait pas quoi faire. Elle part un petit peu au top pour la street. Pas trop la street. Le stun qui est collé au mur. L'ulti dit le Cédra qui ne sait pas. Il a lâché. Renekton. Oh là là. Salut. Je te passe à côté. C'est réactif. Hop, c'est. Et quand on continue le top, on claque, on change de bottle. Continue à mettre la pression au mid pendant qu'au bot a quelqu'un de toute façon elle se débrouille avec le Graves, ou elle se débrouille pas d'ailleurs. Elle se débrouille pas. Le Graves sans pression, 1v2 sur la tour, elle le détruit, allez. Il y aura pas
Oh, dommage. Oh. Et il y a le Xim qui arrive, le Xim qui prend tout. Oh là là, c'est pas... Le Trish qui a super bien protégé le Glen. Oh, la petite coupe du Glen, alors attention. Non, c'était pris, bah... Ben. Lui dans son recouvert, ouais, c'est même pas la peine. Allez, de... Même pas la peine d'essayer de laisser. Lanterne, on se bat, le Warp. Encore une petite bisou. Ça fait du bien, bon. C'est des gros niveaux. Ouais. C'est toujours plaisant à jouer. Une tourelle de l'équipe violette a été détruite. On part légèrement sur le compte, enfin, je crois que t'avais raison. Mais parce qu'il y a quand même des... 3 euros, s'il te plaît. Mais parce qu'il y a un 3200 qui a ses bots, il y a pas le gel. Ça part sur l'instant. Crèche qui a 8200 PO. Syndra quand a 1300. 1000 PO pour la Caitlyn. Bon, la Caitlyn elle va... La Caitlyn elle est en gros. Elle ferait back-up, ça m'étonnerait pas. Ouais, c'est du tout dans la fin. Je pense qu'un affaire, il vaut mieux que tu le gardes pour sa BF. Ça sera beaucoup plus rentable après une tentative à 100%. Le test. Hashtag le truc. Ah oui, c'était le Varus sur lequel on était tombé. Ouais. Le Varus qui est mal dans sa game. Quand tu aimes une blue pot. Voilà. Le mec, il est mal lâché. Blue pot. Ça m'a fait regarder. C'est pas trop bon. Je vais peut-être jouer vers ça. C'est pas non, ça plus, c'est bien. Il a fait du 0-11. Oui, non, mais pas lui. Lui, il était bon. Il était moisi. Alors, ulti de pointer en plein milieu. Oh là, Ketting qui est en plein temps. Le ah, je pour le stun. Par contre, la Vélite qui a ah, bah, la Vélite, elle lui a troué. Les gens qui les reculent. Les reculent. Ouais. Les reculent. Ouais, il a fait son Black Cleaver. Panthéon qui a pas vraiment envie de faire mon vraiment. Il a encore bien, mais est-ce qu'il a 80. Oui, il a 80. Oui, mais il a 90. Ouais, oui. Franchement, il sort vraiment, vraiment bien. Bah après, il a 3 kills. Donc, au niveau des. La Syndra qui a complètement envie de faire la Italie aussi. Non, ça, c'est plus limite. Le Glen qui est. Il a scalé, il a regardé. Avec des vieux ultis, je te mets un petit shot. Le crabe, le qui est passé. Magnifique. Le crabe qui passe sur le Caitlyn. C'était le crabe. Ah, dommage. Oh là, le Xim il les a vraiment bien tués, mais il va se faire quand même tuer. Lui c'est d'être trop de l'engage, ça a été bien joué, il va essayer de retourner dedans, il n'y a pas l'ulti. Il n'y a pas le stun qui arrive sur Syndra. Après je vais attaquer au maximum, et tu vas se mettre devant. Okay. Ça part sur... Un petit break, le timer, ouais, il a été pris. Il apparaît maintenant. Celle-là, j'aurais pas eu de la directement sur la Morgana. Ma tour a été aussi, mais. Comme je dis, elle aura le temps de claquer son ult, mais elle aura pas le temps de rater. Des filles, qui font pas de test, Non, ils sont trop en position. Quoi qu'ils avaient quand même, ils sont trop longs, mais bon. Il y a quand même 11k. D'accord. 11k. Tu me parles ? Ça commence à être décidé. Il a parlé de ma ligue. Au niveau du ping, on va faire un petit point farm. Attends, côté bleu, ça ping vachement offensif. La Syndra qui garde son avance, le Grave qui a 50 creep d'avance aussi. Pantone qui est super vénère. Il est pas mal. Ah ouais, d'accord. La stun, le stun. Voilà. Point final. C'était tout prévu.
Le Syndra, dès que tu fais un peu fil, c'est bon, ça, ça te termine bien. Bah, un DLG ulti, ça fait mal, quoi, sachant que là, elle a sa boule. Elle l'a bien balancé pour stun, elle a remis une autre et après elle a ulti, donc elle a vraiment. C'est maximum pour savoir des bons persos à jouer quand tu fais de la solo queue, des choses comme ça, genre Syndra, Harry. Ah. Harry, bien joué, c'est vraiment super bien joué. Oh, la lanterne qui est posée, le poisson est compliqué, c'était vraiment super bien joué. Le stun qui passe devant sur un hook, et le Crafter qui prend le kill. Le hook, ah non, il n'y a pas de truc de la pièce qui passera pas, il y a Black Shield, ça a bien été disengage, le flash, il l'abandonne, donc le Schmid, et l'ulti de Grave, bien sûr. Juste, on va juste revoir là, parce que le. Il me semble que ça a fait bugshot, l'ulti. Ça. Il a juste gagné. Ah non, ouais, j'en ai un flash. Super, c'est ça qu'on va faire. Bon, il a quand même. Le Renekton a quand même essayé de se mettre devant pour diminuer les dégâts. Le cône, tu as quand même déjà devant. Le cône, il est quand même super. Les cône, ils ont vraiment l'habitude de jouer ensemble. Tellement, il y a que. Ils connaissent l'origine. Hop, ils savent exactement comment les collègues vont réagir. Oui, au moins ils savent que c'est fini et tout, ils sont derrière, ils savent comment ils peuvent faire, ils savent faire ça, et ils doivent essayer de mettre ça. Quand le Nashor qui est sur le bloc, ça doit vraiment être comme ça. Plaisant de jouer comme ça. Et tu connais bien tes mecs, tu as vraiment confiance en eux. Alors heureusement qu'ils ont disengagé chez Nashor parce que. Non, je sais même pas si je pourrais le contester, enfin pas le contester, mais... En fait, il était pas trop mal. Il avait... Ah, le glove, il est très très bon pour le déplacement. Le double, le flash out, il avait pas le choix. Voilà, il est sur le sommet. Alors, il est sur le sommet. Il a gardé le Renekton ici, pendant qu'elle option qui est en train de partir sur la Morgana. L'Empereur prendra pas le kill sur l'Exil. Dommage. Attention, le petit poisson de poisson de poisson, il va se retourner, hop, c'est choqué, ben, on se retourne sur la Caitlyn. 2 et là. Bien joué de la part du Panthéon qui a bien. C'est ça a bien été de Zungage jusqu'à là. Le bug de Morgana, je l'adore. Ça a bien été de Zungage côté violet, ça a été très chouette. Le petit Le stun, le mini. Ça suffira pas. Ah, attention. Non, les mini. Dommage. Ah, le reste passe. Fait chauffer. Ah, mais encore un grave. Un petit souci. Nightlight. Rien du tout. Clairement, pour l'instant, le MVP de la game. Fresh. Il a créé tellement d'occasions. Regarde. Excuse-moi, mais voilà. Allez hop. Je pense qu'il a un petit Chourelia, donc il va passer Chourelia. Hop. Un autre hook, tranquille. Tiger qui est pas de engage contre l'interne. C'est beau, hein. Ouais, ils se connaissent tellement bien, quoi. Porte comme ça, porte comme ça, un peu de fou, hein. Et là, tu profites de la game au maximum. Tu dis, je leur mets plus parce que je joue en face de moi. Tu dis, je la profite, je vais profiter. Non, je vais jouer en duo avec. Donne-moi. Le bronze, c'est pas un diamant. J'ai tué avec toi. J'ai rien joué avec toi. C'est pas mal la farm. Donc, je pense que retourner cette game, c'est vraiment qu'ils ont vraiment un gros coup de génie. Un coup de génie ? Ouais, un coup de génie qui rattrape 15k gold, quoi. 15k gold. Ils ont 23, ils ont 21 kills à 3. 5 objectifs à 0. Désolé, tu viens, mais tu n'as pas mal. Comment juste nocturne, on a juste à sauter. Un petit peu ces dégâts, on va prendre le stuff. Bon, on l'a vu, c'est ah, dommage. On a
Non, le Panthéon. Le flèche, il est pas loin. Avec le très juste à côté, il y a le Panthéon, juste derrière. Ouais, ça va sortir un grade après le mur, c'est dommage. Ah. Même s'il aurait attrapé le mur, il aurait pu sauter dessus et puis Il aurait rappelé sur le A. Un petit haut, un petit petit. Le grill, le grill, super plus des dégâts du grill. Oh, allez hop, deux parties, le Galaxy, faut pas éviter de se faire faire croire en termes de soi. De la cage, faut pas abuser des trucs. Il est bon, mais. Il y aura 100% sur les grabs. Alors attention, là il va être catch. Non, bien utilisé de la part du grill. Je crée. Ouais, bah, c'est encore un noir. Et de 3. Kathleen qui se fait ça ne sert à rien. Encore le très cheveux par l'avenir. Bienvenue à la parution. Une Dali qui lui a dit non, c'est bon. Donc là ils vont en profiter. Ah, ils ont quand même 17k de... Après ce petit fight réussi, on va dire. Ils ont pris un inhib. Ça va faire plus mal. Ouais, là ça va commencer à grip, pour avoir une mâchoire, ça va faire la pression mid. La prochaine fight va être fatale. Il a son active form et pas. Indéfini. Alors que la Kathleen a une soif de sang et des bottes. On est mal. La Kathleen a quand même pris beaucoup trop de frappes. Même si bon, très chiant, voilà. Très chiant, encore 1000 PO à dépenser. Voilà. Denied. J'ai tellement attendu dans ce bush. Et... Ouais, c'est normal, c'est fini. C'est fini. Il y aurait pas eu de son. C'est de la chirurgie à ce niveau-là. C'est de la chirurgie. Je peux dire bien fort là. Je pense que là, tu vois, on peut tous sortir de la salle et puis se mettre à genoux. Trash MVP. Clairement, Trash MVP sur cette game. Le Trash a fait une game énorme. Une game complètement énorme. Il y a un moment, je me taisais, quoi. Je disais plus rien, tellement c'était beau.